Lettre 54. Rika à Usbek. J'étais ce matin dans ma chambre qui, comme tu sais, n'est séparée des autres que par une cloison fort mince et percée en plusieurs endroits, de sorte qu'on entend tout ce qui se dit dans la chambre voisine. Un homme qui se promenait à grands pas disait à un autre: je ne sais ce que c'est, mais tout se tourne contre moi. Il y a plus de 3 jours que je n'ai rien dit qui m'ait fait honneur, et je me suis trouvé confondu pêle-mêle dans toutes les conversations, sans qu'on ait fait la moindre attention à moi, et qu'on m'ait 2 fois adressé la parole. J'avais préparé quelques saillies pour relever mon discours. Jamais on n'a voulu souffrir que je les fisse venir. J'avais un compte fort joli à faire, mais à mesure que j'ai voulu l'approcher, on l'a esquivé, comme si on l'avait fait exprès. J'ai quelques bons mots qui, depuis 4 jours, vieillissent dans ma tête sans que j'en aie pu faire le moindre usage. Si cela continue, je crois qu'à la fin, je serai un sot. Il semble que ce soit mon étoile et que je ne puisse m'en dispenser. Hier, j'avais espéré de briller avec 3 ou 4 vieilles femmes qui, certainement, ne m'en imposent point. Et je devais dire les plus jolies choses du monde. Je fus plus d'un quart d'heure à diriger ma conversation. Mais elles ne tinrent jamais un propos suivi et elles coupèrent, comme des parcs fatales, le fil de tous mes discours. Veux-tu que je te dise? La réputation de bel esprit coûte bien à soutenir. Je ne sais comment tu as fait pour y parvenir. Il me vient une pensée, reprit l'autre. Travaillons de concert à nous donner de l'esprit. Assurions-nous pour cela. Chaque jour, nous nous dirons de quoi nous devons parler. Et nous nous secourrons si bien que, si quelqu'un vient nous interrompre au milieu de nos idées, nous l'attirerons nous-mêmes. Et s'il ne veut pas venir de bon gré, nous lui ferons violence. Nous conviendrons des endroits où il faudra approuver, de ceux où il faudra sourire, des autres où il faudra rire tout à fait et à gorge déployée. Tu verras que nous donnerons le ton à toutes les conversations et qu'on admirera la vivacité de notre esprit et le bonheur de nos réparties. Nous nous protégerons par des signes de tête mutuels. Tu brilleras aujourd'hui, demain, tu seras mon second. J'entrerai avec toi dans une maison et je m'écrirai en te montrant. Il faut que je vous dise une réponse bien plaisante que monsieur vient de faire à un homme que nous avons trouvé dans la rue et je me tournerai vers toi. Il ne s'y attendait pas, il a été bien étonné. Je réciterai quelques-uns de mes vers et tu diras: j'y étais quand il les fit, j'étais dans un souper, il ne rêva pas un moment. Souvent même, nous nous raillerons, toi et moi, et l'on dira: voyez comme il s'attaque. Comme ils se défendent, ils ne s'épargnent pas. Voyons comment il sortira de là, à merveille. Quelle présence d'esprit. Voilà une véritable bataille. Mais on ne dira pas que nous nous étions escarmouchés la veille. Il faudra acheter de certains livres qui sont des recueils de bons mots, composés à l'usage de ceux qui n'ont point d'esprit et qui en veulent contrefaire. Tout dépend d'avoir des modèles. Je veux qu'avant 6 mois, nous soyons en état de tenir une conversation d'une heure, toute remplie de bons mots. Mais il faudra avoir une attention, c'est de soutenir leur fortune. Ce n'est pas assez de dire un bon mot, il faut le répandre et le semer partout. Sans cela, autant de perdu. Et je t'avoue qu'il n'y a rien de si désolant que de voir une jolie chose qu'on a dite mourir dans l'oreille d'un sot qui l'entend. Il est vrai que souvent, il y a une compensation, et que nous disons bien des sottises qui passent incognito, et c'est la seule chose qui peut nous consoler dans cette occasion. Voilà, mon cher, le parti qu'il nous faut prendre. Fais ce que je te dirai, et je te promets, avant 6 mois, une place à l'académie. C'est pour te dire que le travail ne sera pas long, car pour lors tu pourras renoncer à ton art. Tu seras homme d'esprit, malgré que tu en aies. On remarque en France que
Dès qu'un homme entre dans une compagnie, il prend d'abord ce qu'on appelle l'esprit du corps. Tu seras de même, et je ne crains pour toi que l'embarras des applaudissements. De Paris, le 6 de la lune de Zilkadé, 1714.